dimanche, nous avons un match dans le centre sportif d'Adadou. Mais plus spécialement, mardi, dans le stade civil Gator, on a fait grande ouverture, tournoi reconstruction de l'église catholique. Et semaine prochaine, on a fait tournoi reconstruction de l'église protestante qui a fait toujours dans le stade civil Gator. Alors, qui donc ces deux tournois? Nous avons un tournoi corporatif et puis un tournoi pour reconstruction des églises. C'est même championnat, mais il y a chaque grand poule là-dedans. Chaque grand poule. Il y a un poule pour l'église catholique, une pour l'église protestante qui a joué pour contre eux, l'église catholique qui a joué pour contre eux. Nous avons quatre qui jouent pour contre eux, entreprise privée joue pour contre eux, entreprise publique joue pour contre eux. Et puis, nous avons une ligue des champions, côté champion et vice-champion dans chaque salle pour le rencontrer. Mais combien l'église qui est dans le groupe catholique là, combien l'église qui est dans le groupe protestant? Nous avons 8 l'église qui sont dans le groupe catholique là, nous avons 12 l'église qui sont dans l'église protestante. Mais on dit que c'est pour ramasser l'argent ça pour remettre à l'église décroisée. Exactement. 60% dans la recette là pour aller pour l'église qui est croisée. Il n'est ni protestant ni catholique. Mais combien l'église nous visait? Est-ce que c'est seulement dans la capitale là ou bien nous pensons de l'église qui est croisée en ville provinciale? Si c'est dans la capitale là, combien l'église nous visait? C'est plus pour la capitale là, parce que dans l'église nous avons Sacré-Cœur, Saint-Gérard, Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette, Saint-Jean. Et nous en tout, c'est 8 l'église catholique qui a participé et 8 l'église protestante qui a participé. Mais 8 l'église protestante, ça y est, n'a pas l'église qui est croisée ou pas son équipe là-dedans? Nous avons l'église sur le rocher, nous avons l'église redissante. Nous avons l'église Pasteur Jean-Marie, nous avons l'église Côte-Placèze Cafou, et nous avons plusieurs autres églises encore. Mais pour nous faire une initiative comme ça, comment l'argent vient? Est-ce que c'est payé entrée ou bien l'église a contribué? Qui en a fait pour nous ramasser l'argent ça? C'est la payé entrée, les papes chers, c'est 25 gouttes gardien, 50 gouttes tribune, et 4 jours avant dans l'église avant. Et puis il y a 4 qui vendent dans le guichet tout. Avant match, 2 heures de temps avant match, on a une cérémonie de prière et d'adoration. Pendant 2 heures de temps, on a un groupe l'église qui est invité. Et puis après finale, dans la finale là plus précisément, on a un concert avec représentants chaque l'église pour nous faire un concert de reconstruction. Il est valable pour ni l'église catholique ni l'église protestante. Donc concert ça y est tout, mais comme on dit, on a pris l'adoration et louange avant souterrain. Est-ce que là encore, les gens qui pas intéressé de football ont possibilité pour venir participer? Exactement, c'est la raison pour laquelle que nous faisons comme ça. Les gens qui pas intéressé de football qui a besoin d'adoration et prière pour qu'ils puissent jouer.